J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une journée dans mon assiette spéciale mois de juin. Nous allons dire ça comme ça. Donc mon petit déj, c'est toujours le même. Je me sers un grand mug de thé, du thé vert pour ma part, que j'achète en vrac. Et ensuite, je me fais mon bol. Et là, en fait, mes parents me ramènent des petits melons qu'ils achètent chez un maraîcher pas loin de chez eux. Et donc, c'est super pratique parce que comme ça, je peux manger la moitié d'un melon au petit déj. Et ensuite, une fois que j'ai un petit peu mangé l'intérieur, je peux m'en servir comme d'un bol. Donc, je trouve ça assez rigolo. Car ensuite, je n'ai plus qu'à mettre, vous savez, ma petite mixture. Donc, c'est du lait de coco et des graines de chia que je prépare la veille et que je laisse au frigo. Et ensuite, je mets, comme d'habitude, mon muesli cru que je fais maison. Je ne sais pas vous, mais je me suis rendu compte que le midi, je mangeais souvent cru. Et la plupart du temps, le midi, j'ai vraiment, vraiment besoin que ça aille vite. Donc, ce qui est vraiment sympa l'été, c'est de partir sur des tartines. Je trouve ça chouette. Donc, je vais d'abord nettoyer mes radis. Puis, je vais les passer au mixeur, en fait, pour avoir un petit peu comme... comme de la semoule de radis, on va dire, un petit peu comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir préparer des rillettes. Donc pour ça, prenez du fromage à tartiner. Donc moi, je suis plutôt partie sur du fromage de chèvre, car je ne consomme quasiment plus de lait de vache, si ce n'est pour le gruyère ou des choses comme ça, que je vais mélanger du coup avec mes radis. Et ensuite, j'assaisonne, donc sel, poivre. Vous pouvez également mettre un filet de jus de citron, etc., pour donner un maximum de goût. Vous pouvez également mettre par exemple de l'ail semoule, puis je fais griller du pain, donc de préférence complet, voilà, histoire de ne pas partir sur du pain blanc. Et ensuite je prends cette assiette qui est absolument immense. Je faisais exprès de mettre mes mains autour pour que vous voyez la taille de l'assiette, parce qu'une fois que tu mets les aliments dedans, on dirait que c'est tout petit, que tu manges pas grand chose. Et je vais couper mes endives grâce à ce petit outil dont je vous ai déjà parlé, et l'une d'entre vous m'a trouvé le lien sur Amazon, parce que moi je l'ai acheté chez Zodio, mais tout le monde n'a pas de Zodio près de chez soi. Donc si vous voulez, je vous mets le lien pour le trouver sur Amazon en barre d'infos. Et donc je vais tartiner mes petites tranches de pain et je vais couper des rondelles de concombre pour les mettre par-dessus. Et je vais pouvoir assaisonner avec plein de petites choses, donc je mets des noix sur mes endives, des graines de courge sur mes tartines, ainsi que des graines de sésame, etc. Bref, rajouter le maximum de choses pour donner du goût, pour varier les saveurs, pour varier les textures, etc., etc. Je trouve ça vraiment cool. Et enfin, histoire de m'apporter un petit peu de protéines, je me fais deux œufs mollets. J'adore les œufs mollets. Voilà, et du coup, je mets un peu de gomasio dessus. Vous êtes nombreux souvent à me demander ce qu'est le gomasio. Donc déjà, vous pouvez trouver plein de choses sur Internet. Mais sinon, c'est tout simplement du sésame avec un peu de sel marin. Donc ça permet de saler tout en donnant un petit peu de goût. Et moi, j'aime beaucoup. Et ça y est, c'est enfin la saison des cerises. Donc ça, ce sont les premières que j'ai achetées. J'étais juste surexcitée à l'idée d'en manger parce que franchement, j'adore ça. Avant, mes parents avaient des cerisiers dans leur jardin et c'était juste le bonheur. Je mangeais ça absolument tout l'été. Mais bon, maintenant, voilà, je dois me les acheter et franchement, elles étaient trop bonnes.
Vous me demandez souvent si je prends une collation l'après-midi et c'est vrai que non, sauf si je vais prendre un goûter à l'extérieur, un thé, une part de gâteau avec une copine, mais à la maison, jamais. Mais ce qui fait qu'à 19h30, j'ai trop la dalle et donc je mange avec les poules. Voilà, moi je suis quelqu'un qui mange tôt. Donc du coup, je vais préparer à manger et dans ma vidéo Une semaine dans mon assiette, vous m'avez demandé comment je faisais mes tagliatelles de courgettes. Donc c'est ce que je vais préparer pour pouvoir ainsi vous montrer ça en vidéo. Mais d'abord, je vais faire cuire du petit épeautre. Donc ça se cuit exactement comme du riz, sauf que ça se cuit plus longtemps. Ça dépend, regardez sur le paquet, mais c'est entre une demi-heure et 45 minutes. Donc je vais vraiment le mettre à cuire en premier, histoire que ça ait bien le temps de cuire. Puis ensuite, je vais faire quelques pignons grillés. Voilà, j'adore faire ça à parsemer sur les salades ou sur ce que vous voulez. C'est vraiment trop, trop bon. Par contre, en filmant la vidéo, je sais pas ce que j'ai fait, mais je les ai laissés cramer, comme vous pouvez le voir. Et une fois que j'ai réservé mes pignons, je vais pouvoir m'occuper de ma courgette. Donc une grosse courgette comme ça, ça suffit pour deux personnes. Donc à vous ensuite de calculer en fonction du nombre de personnes que vous avez à table. Et je vais simplement prendre un économe et je vais râper comme ça ma courgette et ainsi de suite afin d'obtenir comme des lamelles, des tagliatelles. Le plus dur, c'est quand tu arrives à la fin de la courgette. Donc là, il faut prendre un couteau et couper un petit peu grossièrement. C'est finalement le plus difficile. Puis comme d'hab, on va assaisonner. Donc moi, je mets un filet d'huile d'olive, sel, poivre également. Vous pouvez mettre de l'ail, soit frais, soit de l'ail semoule si vous n'en avez pas. C'est toujours pratique d'en avoir dans les placards. Et comme ça, ça va pouvoir parfumer un petit peu. Je mets ça sur le feu et je vais pouvoir aussi préparer mes tomates séchées. Donc ça aussi, vous m'avez demandé dans ma vidéo Une semaine dans mon assiette comment on les faisait. Donc normalement, c'est mon chéri qui s'y colle, mais là, c'est moi qui vais le faire. Donc on prend des tomates cerises allongées comme ça, on les coupe en deux. Et ensuite, bah, on les assaisonne un peu de manière classique comme on fait toujours. Donc huile d'olive, sel, poivre, etc. Herbe de Provence. Et on met ça au four jusqu'à ce qu'elles commencent à se flétrir. Donc à 180 degrés et environ 30 minutes, 45 minutes, enfin on le fait un petit peu à l'œil. Puis je vais pouvoir dresser mon assiette et je termine avec un filet d'huile d'olive là encore sur mon petit épeautre pour un petit peu donner du goût et du liant. Le soir, il se peut qu'on se fasse des salades de fruits, des choses comme ça. Sinon, je mange un yaourt de coco. Et là, il nous restait des cerises du midi. Et en ce moment, je suis à fond sur les abricots. Je vous en ai parlé sur Instagram et tout. J'adore ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos Une journée dans mon assiette. Si jamais ça vous dit, vous n'avez qu'à cliquer sur la gauche. Et sur la droite, si vous cliquez sur ma tête avec un chapeau, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir toujours plus nombreux. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.